Bonjour, chers amis de Bill&Bob, chanteurs de lumière et chers amoureux de la nature. Good day, dear friends of Bill&Bob, dear lightworkers and nature lovers. Mon nom, c'est Chad B. Je suis alcoolique en pâte. My name is Chad B. I'm an empath alcoholic. Et bienvenue ici à Pradyagari dans cette petite vidéo que je vous fais tous les jours sur la chaîne Rising from the Shadows. And welcome here at Pradyagari on this little video that I do every day for you on the Rising from the Shadows channel. Ah oui, aujourd'hui... Là, je me suis mis une pommade là, pour désinfecter le pouce. Là. Je pense qu'il était infecté. Écoute, une pommade, une compresse, une compresse, là, to disinfect the thumb, là, because I think it's infected. À chaque fois que je retournais travailler, pour j'installais un bio, et puis je voyais du pus sortir du doigt. I was either going to pick up or install one log, and I saw pus coming out of my thumb, so... C'est pas grave, en tout cas, ça va passer, it's gonna pass. Aujourd'hui, j'ai presque terminé ma structure du toit. Almost done for the structure of the roof. There's one beam on this side to do. Un autre bio là, de ce côté-là à mettre. Puis là, après, ben, ça va faire une pyramide. Hein? This is gonna do a pyramid roof. Là, sur ce côté-là, ça va être un triangle. On that side, it's going to be a triangle like that. The entrance over there, coming into here, the gazebo. Ici, je laisse ouvert. Here, I leave open. These two sides, this side and that side, is going to be a ramp, the same thing. Ce côté-là, ça va être une rampe, la même affaire. Je laisse ouvert ici. Juste les deux côtés, le fond, puis le côté-là, ça va être du mur. Hein? So, just the end, on the back, and that side is going to be wall. Donc, c'est ça. C'est ça mon projet que je fais cet été. And that's my project for this summer. Ça a l'air, hein? That's what it seems like. Hein? Parce que à chaque jour, je suis tiqué puis je veux continuer là-dessus. Every day I wake up, I want to continue on this. On va y retourner à la clapperie bientôt. Hein? We'll return to the rabbitry soon. Mais ça avance bien. Hein? Là, après que je vais avoir fini la structure, là, il faut que je fasse les photos d'appui, hein. After I finish the structure, I'm gonna do the forens to then board up the roof, hein, pour après faire de la planche pour le toit. Les planches, ce ne sont pas des planches carrées sciées plus précisément comme j'ai fait pour le plancher. Hein. It's not gonna be a precise saw. The boards aren't gonna be sawed precisely like I did for the floorboard. Because I'm going to leave the bark on it. Hein? Je vais laisser l'écorce. Hein? Donc, on va voir l'écorce, puis ça va être un par-dessus l'autre. On va voir l'écorce, ça va être un. It's going to do a nice style if I leave the bark, hein, on the board. So, they're going to lean over each other. So, there's going to be always one side of bark that's going to be shown, you know. It's a style. C'est un style. En tout cas, c'est ça qui se passe pour moi aujourd'hui. That's what's happening for me today. Je vais continuer. Je vais vous lire la réflexion quotidienne de Alcoholics Anonymous World Services. I'll continue reading to you the daily reflections from Alcoholics Anonymous World Services. Donc là, on est rendu à la lecture du 22 juin. So now we're at the reading of June 22nd. Okay. Le 22 juin. Aujourd'hui, je suis libre. Cette découverte m'a amené à prendre conscience, pour mon plus grand bien, qu'il y avait dans le monde un grand nombre de situations sur lesquelles je n'avais personnellement aucun pouvoir. Si j'étais prêt à admettre cela au sujet de l'alcool, je devais faire de même pour bien d'autres choses. Je devais rester calme, là, sachant que Dieu... C'est lui, pas moi. Ça vient de la réflexion de Bill à page 114. June 22nd, today I'm free. This brought me to the good, healthy realization that there were plenty of situations left in the world over which I had no personal power. That if I was so ready to admit that to be the case with alcohol. So, I must make
the same admission with respect to much else. I would have to be still and know that he, not I, was God. This comes from As Bill Sees It, page 114. I am learning to practice acceptance in all circumstances of my life so that I may enjoy peace of mind. At one time, life was a constant battle because I felt I had to go through each day fighting myself, and everyone else. Eventually, this became a losing battle. I ended up getting drunk and crying over my misery. When I began to let go and let God take over my life, I began to have peace of mind. Today, I am free. I do not have to fight anybody or anything anymore. J'apprends à faire preuve d'acceptation dans toutes les circonstances de ma vie afin d'avoir l'esprit en paix. À une certaine époque, la vie était une bagarre continuelle parce que je me croyais obligé de passer mes journées à me battre contre moi-même et contre tout le monde. Quand ces batailles se sont révélées perdues d'avance, je me suis mis à me saouler et à pleurer sur mes malheurs. Lorsque j'ai commencé à lâcher prise et à laisser Dieu prendre charge de ma vie, j'ai pu trouver la paix d'esprit. Aujourd'hui, je suis libre. Je n'ai plus à me battre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. On apprend à pas se mêler avec des situations négatives. We learn not to get entangled into negative situations. Oui, c'est beaucoup plus paisible. Yes, much more peaceful. Vivre en paix, là, ça veut pas juste dire qu'on peut tout faire que ce qui existe dans la vie. Hein. To live in peace or to live free, vivre libre, it doesn't mean that you're able to do everything that life tells you. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis en mesure de faire tout ce que j'ai le goût de faire. In reality, what it means is that I'm able to do everything that I feel like doing. C'est pas à cause qu'il y a des choses que moi je pourrais pas faire dans ma situation présentement. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas les moyens. There's a lot of things that I couldn't do in this situation here. Things that I don't have the means to do. But do I really want to do it? Est-ce que je veux vraiment faire ces choses-là? Qu'est-ce que je voulais, là? Que j'ai toujours voulu. C'est ça. C'est ça ici. C'est tout ça. Tout. What I've always wanted is all of this. A huge place like this. Merci, bon Dieu. Merci. Thank you so much. Je vous remercie beaucoup, chers amis de Bélébob, chers travailleurs de la lumière, et chers amoureux de la nature. I thank you so very much, dear friends of Bélébob, dear lightworkers and nature lovers. Mon nom, c'est Chad B. Je suis alcoolique en paix, en pâte. My name is Chad B. I'm an alcoholic and pâte en paix. Lapsus. Je vous souhaite tous un merveilleux 24 heures. Prenez soin de votre établissement. Wish you all a very wonderful 24 hours. Take care of your recovery. Je vous aime. I love you. Bye.